Amici ed amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Eccoci di nuovo insieme, siamo qui in presenza della scrittrice siriana Maram Al-Masri. Bonsoir et bienvenue, c'est pour nous un honneur et un plaisir. Je vous laisse la parole. Bonsoir et merci, merci beaucoup de m'avoir invitée et donner à ma voix l'importance d'être écoutée. Merci beaucoup. Oui, mais c'est pour nous un honneur et un plaisir, comme j'ai déjà dit. Eh bien, on va commencer avec une première question. Votre univers poétique accroche l'œil du public grâce à sa capacité d'évoquer des images qui ouvrent l'esprit au voyage. Il s'agit d'une poésie caractérisée par une structure libre qui focalise l'attention sur l'intériorité de l'être humain et sur l'aspect intimiste. Eh bien, vous avez obtenu un grand succès avec Je te regarde et vous présentez au public avec le ton de l'amour. Est-ce qu'il y a une sorte de continuité entre les deux ? Entre Je te regarde et le ton de l'amour, oui, il y en a beaucoup. Il y en a le livre Les âmes aux pieds nus qui aussi est sorti en multimédia en Italie, qui parle de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes. Et la violence aussi qui est faite au peuple dans mon deuxième, troisième, cinquième ou huitième livre qui s'appelle « Elle va nue, la liberté » Camina Luda, la libertà aussi qui vient, aussi est sorti chez Multimédia à Salerno et ces deux livres aussi qui ont marqué la maturité de mon regard poétique vers le monde parce que avant j'étais dans l'intimiste, j'étais dans moi, la guerre elle était en moi, le monde elle était en moi parce que j'avais vraiment un monde très étroit. J'étais une femme mariée, j'étais une femme qui vit dans une maison avec quatre murs et j'avais que moi à explorer parce que je ne me connais pas moi-même. Alors la poésie commençait par me connaître cette soi qui était un peu énigmatique aussi pour moi parce que la poésie c'est on découvre notre visage dans la poésie. Alors et puis après ma vie a changé. Je suis sortie au monde, je suis sortie dans une société qui n'est pas facile. Je me suis rendue compte qu'est-ce que ça veut dire la migration. Je me suis rendue compte qu'est-ce que ça veut dire d'être femme seule. Je me suis rendue compte qu'est-ce que ça veut dire d'être émigrée, avoir un corps ici et puis des fois du cœur qui palpite dans mon pays. Et puis la révolution syrienne a commencé. Et parce qu'aussi une femme, une écrivaine qui écrit aussi seulement son quotidien, et le seul quotidien que j'ai vécu depuis 5 ans, c'était la révolution syrienne. Alors j'ai écrit ce livre, et puis comment faire après 2013 ? La révolution a continué, la guerre a changé son visage, elle est devenue de plus en plus cruelle, et je ne peux pas me détacher, parce que c'était toujours le même quotidien que je vis. Alors j'ai fait une anthologie, ça s'appelle l'anthologie dans le temps de l'amour, qui est dédiée au peuple, aux poètes syriens. Alors j'ai servi la révolution en traduisant, en collectant les autres poètes jeunes, comment ils voient la guerre, comment ils voient l'amour dans ce temps-là. Voilà. Eh bien, donc, on peut affirmer que la poésie, c'est une sorte de miroir de l'âme et de tout ce qu'on peut vivre. Pour moi, c'est ça, la poésie. C'est le miroir de mon âme. Et parce que je crois que mon âme, elle est l'âme de l'autre, comme je crois que votre âme, elle est la mienne. Alors, je peux dire en liberté ce que je sens. Parce que je sais que je sens certainement, vous le sentez, et si vous le sentez, je sens moi-même. Des fois, je suis étonnée de mon adhésion à l'autre, de comment je me sens que je suis l'autre. Des fois, je suis vraiment étonnée de moi-même. Des fois, je vois une femme prise dans un bras d'un amoureux, je me sens que moi aussi étais enlacée par cet amoureux. Et je me sens heureuse pour elle, parce que comme si c'est moi
qui était aimée en travers d'elle. Et quand je vois aussi ma femme malheureuse ou un être malheureux, je me sens aussi moi-même dans cette tristesse et son malheur. Voilà. Eh bien, le thème par excellence de votre texte est l'amour. Mais au fur et à mesure qu'on lise votre texte, on peut constater qu'il y a aussi des sujets en même temps et plutôt autobiographiques, comme vous avez déjà dit. Et bien, on peut constater donc que vous êtes la voix de l'espoir des Syriens, de votre terre, c'est ça? C'est ça qu'ils disent, mais je pense chaque écrivain, chaque poète, chaque artiste, même chaque être normal, il a un message, il a un devoir et la responsabilité de l'autre. Même dans une relation amoureuse, je pense qu'il a une responsabilité qu'il doit chaque partenaire rendre compte qui l'amour qui donne à l'autre, la qualité de l'amour qui donne à l'autre, c'est une responsabilité. Il faut pas jouer avec les autres. Il faut pas maltraiter les autres. Les autres, c'est notre responsabilité. Alors, étant poète et écrivain, on prend doublement la responsabilité et on sent beaucoup plus notre responsabilité vis-à-vis du monde. J'ai écrit une fois, j'ai dit, je me sens comme un gardien du ciel qui dort pas parce qu'il a peur que le ciel tombe. C'est comme un médecin qui opère, mais il faut que sa main soit propre. Alors c'est ça les responsabilités de l'écriture. On n'a pas besoin de censure parce que la censure est déjà dans notre conscient vis-à-vis de l'autre, responsabilité pour l'autre. Eh bien, une dernière question. Étant donné que vous êtes particulièrement lié à votre terre d'origine, comment vivez-vous la situation actuelle de votre terre? Je ne suis pas attachée à la terre. Je ne suis pas attachée à la terre. Je suis attachée à l'homme, à l'humain. À l'humain dans la terre, sur la terre. C'est mon souffrance, c'est les êtres humains. Des fois, je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, ils ont détruit tel vestige historique, ils ont fait ça. » Et puis on oublie des êtres humains. Mais un être humain, vous vous rendez compte combien il y a de vestiges en lui? Un bébé qui va grandir, il peut être un poète, il peut être un médecin, il peut être un ingénieur, il peut faire le plus beau architecture du monde. Alors, entourons les êtres humains, entourons les vestiges humains et vestiges historiques. Pour moi, nous sommes le plus bel prestige historique du monde, les êtres humains. C'est vrai, je suis vraiment d'accord avec vous. Eh bien, je vous remercie. Moi aussi. Merci vraiment de votre présence. Merci à vous. C'était un plaisir de parler avec vous. Merci à vous. Merci. Une occasion vraiment exceptionnelle pour moi. C'est pour moi aussi. Merci. Ok. Per ora è tutto da Vivi Casagiove. Arrivederci e buona serata.